Bonjour et bien, welcome to, je suis fatiguée, je trouve pas mes mots. Bienvenue sur le live d'IBDECO, donc le troisième de la série de 8 prévue sur le week-end, donc samedi 6. Mais ils sont au taquet, Dominique, elle est déjà là, samedi Patricia. Samedi 6, 14h, on essaye d'être pile poil à l'heure, on est trop forte. Et on se retrouve cet après-midi, en ce début d'après-midi, pour travailler avec des tampons et pour créer des monogrammes et pas que. C'est ça l'idée ? Tout à fait. Charlotte, elle est lol, sur quoi ? Elle doit être belle. On la voit pas à l'écran, mais... J'essaye. Donc voilà, bienvenue à tous et toutes. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à nous envoyer des petits cœurs, des petits likes, tout ça, tout ça. Des étoiles, si vous avez une tirelire d'étoiles, vous pouvez nous en offrir, bien évidemment. Pour ceux qui nous joignent en replay, pour ceux qui ne nous connaissent pas surtout, alors nous, IBDECO, nous sommes IBDECO, donc Isabelle qui vous parle. Nous sommes société spécialisée en relooking de meubles et nous avons donc une boutique, un magasin où vous pouvez bien évidemment venir acheter vos produits et demander conseil. Et sinon, si vous êtes un peu trop loin, vous pouvez commander en ligne sur le site ibdeco.com et vous retrouverez tous les articles que l'on va vous présenter en live. Je vous promets, elle n'a pas bu ce midi. Il aurait peut-être fallu. Ouais. Mais après, j'ai encore couru parce qu'on a une cliente qui est venue alors que... À une heure et demie, alors qu'on est fermé. Mais c'est vrai que ce n'est pas annoncé sur le net, donc les gens se déplacent. Bref, donc c'est pour ça que je vous dis toujours, quand vous devez venir en magasin, surtout si vous faites un petit peu de kilomètres, n'hésitez pas à appeler. Avant, là, elle a appelé, on n'a pas répondu, du fait, elle est venue. C'est ça. Moi, dans le doute, je ne serais pas venue. Mais bon, après. Voilà, un petit clin d'œil donc à cette nouvelle cliente, puisqu'elle ne nous connaissait pas encore hier. Ouais, comme quoi. Voilà. Bon, allez, est-ce qu'il y a du monde? Donc, bah, Dominique qui était là tout de suite. Dominique Deschelettes. Oui. Au taquet, Patricia, Wilfried, Audrey, Annelise, Sylvia, Stéphanie, Evelyne, Isabelle, Chris, Claire. Chris Look. Oui. Claire, Candiline, Stéphanie. Malpad. Oui. Waouh, tu retiens. Ouais, ouais. Marielle, Dédette. Marielle, Le Flon. Si. Oh, pétard. Pétard, comment tu fais? Ça te va bien d'être fatiguée? Hop, j'ai perdu le fil. Patricia, Monique, MC. Patricia ou pathétique? Non, Patricia. Caroline, Mélane, Cathy, Was. BRN. Ouais. Was. Alaya. Ouais. Christine. Gendrier. Ouais. Mélane. BRN encore? Bah oui! Fabienne, Malé. Patricia, je sais c'est plus. Pierrard. donc Claire ah encore. Ah oui, Patricia avec un t-shirt blanc. Je sais plus. J'ai... Oui, c'est ça. Assis sur comme des rochers ou je sais pas quoi. Donc il y a Monique aussi qui est là. Monique Jolie. Gibson. Non, là c'est Monique Jolie. Ah, c'est pas la même. Marie-Jeanne, Patricia. Amio. Ouais, tu m'épates. Patricia. Holmeschler. Ouais, Emmanuel. Oh, coucou Emmanuel, ça faisait longtemps. Emmanuel, que tu... rendu. Ouais. Lolo. Miku. JJQT. Je savais qu'il y avait un Q. Hein, tu me... Mais tu me. Ouais. Et après, il y a Eden. C'est pas. Le roi. Le roi. Il y a Karine qui est là, Isabelle, etc. Enfin, etc. Vous êtes nombreuses. Non. Nombreux. J'ai vu Wilfried. Ah, il y a nous. C'est ça. Bon, allez. Ah. Il t'a pas dit s'il allait venir faire un coucou sur le live? Non. Pétard, je retrouve. Jérôme? Non. Mon beau Jérôme. Non, mais il nous a dit bon courage pour les lives. Merci. Bon, alors, il aujourd'hui... Ça marche bien, tout ça. On va vous parler monogramme, pardon. On va vous parler tampon plus généralement, mais on va travailler avec un nouveau tampon qui est arrivé chez nous. Il y a un petit moment. Hein, Alpha Belize, qui va vous... C'est ça, Alpha Belize, oui, oui. Hein. Qui va vous permettre de créer des monogrammes. Décorer vos lettres. Voilà. Un monogramme, vous savez tous ce que c'est, je pense. J'espère dans le et sens... Et si ce n'est pas le cas, on va le montrer. Dans le sens, sinon je vous explique
parce que je n'avais pas donné d'explication. Il est où le mien de thé? J'étais en train de le boire parce que tu n'en voulais pas. Mmh. Mmh. D'accord. J'en avais demandé un. Voilà, donc allez, on va vous basculer vers le travail. N'hésitez pas à mettre des petits messages, des petits likes, tout ça. Vous savez que les messages, quelquefois, c'est un petit mot qui peut rapporter un beau lot. Voilà, tu vois. Parce que chez IBDECO, on vous offre. Et derrière, vous pouvez voir en fait le calendrier que l'on a fait donc hier soir en live. Tu peux peut-être montrer un tiroir, on l'a terminé tout à l'heure. J'ai plus que les petits numéros à coller sur certains qui n'ont pas été faits. Que j'en prenne avec un numéro? Bon, si tu veux. N'importe. Il n'y a pas de numéro. Non. Et donc, il y a les numéros de l'horloge. On a fait le OpenGL partout, comme ça, c'est plus à part en dessous. Et derrière. Mais comme ça, quand on l'ouvre, ce sera plus joli. Plus fini. Ça fait plus fini. Bien sûr, on n'a pas fait dedans, on a bien fait le tour ici. Et on a fait bien l'intérieur du tiroir, parce que sinon, avec la petite encoche, on voyait que c'était du bois brut et c'était moins élégant. Joli. Allez. C'était la petite aparté. Je vous bascule. C'est parti. Attention qu'ils ne voient pas la réponse aux questions sur ma feuille. Hein. Non. Donc, ça, c'est ce que j'ai préparé. Alors, l'assiette, c'est une assiette vite fait. C'est mon service de tous les jours. Et voilà. Hop, de toute façon, elle n'a pas de service de pas tous les jours. C'est vrai. J'ai qu'un service de tous les jours. Donc, voilà ce que j'ai réalisé. Donc, la petite lettre, je vais vous zoomer. Je vais vous faire la mise au point. La petite lettre, justement, décorée avec le tampon alphabétique. Pas... Oh, c'était avant. Je vais donc bien évidemment vous montrer comment faire. Ça, c'est juste une petite branche de bruyère que j'ai chez moi. Et ça, c'est les fleurs séchées qu'on a utilisées ce matin pour la résine. Voilà, donc déjà, ça, j'espère que ça vous plaît. C'est une idée de ce qui peut être réalisé avec le tampon qu'on va utiliser. Hop. Je vais remettre ça sur le côté. Donc, le tampon, c'est celui-ci. Ah non, ben, Patricia Pierrard, c'est pas toi que je pensais pour l'image. Pour voilà, la photo. Donc le tampon, bon, bref. C'est ça. Ce ne sont pas les lettres, mais ce sont toutes les petites décorations que vous pouvez utiliser sur les lettres. Donc, ah, il y a Chantal Chénaud qui est là. Coucou Chantal. J'ai vu ta nouvelle activité, j'ai été déçue. Je pensais pouvoir me fournir chez toi, mais tout compte plus. Il n'y a pas ce que tu veux. Il n'y a pas la bonne référence. T'as pas les bonnes refs, Chantal. Donc ça, je vous en parle après. Ce sont les petits masquages. Et donc, voici, hop, le tampon. Mise au point, s'il te plaît. Donc, c'est un tampon avec vraiment beaucoup de tampons. Hein. Vous voyez, on en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Si j'ai pas dit de bêtises. Mais normalement, pourquoi c'est je suis pas marqué IBD cool? Je sais pas. Peut-être parce que je l'ai enlevé tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est le tampon donc, que l'on va utiliser. Avec lequel, comme je vous disais, j'ai fait. Je vais dézoomer si besoin. Oui, voilà. Avec lequel donc j'ai fait cette petite serviette et on va faire d'autres choses. Je vais vous montrer. Donc en fait, il faut aussi un autre tampon avec lettres. Oui, Si vous voulez faire. Si vous avez le tampon de lettres, vous pouvez agrémenter vos lettres avec ce tampon-là. Maintenant, les grands tampons qui sont plutôt en bas là, vous pouvez aussi les répéter, par exemple sur des côtés de tiroir. Oui, bah, même les petites fleurs. Vous pouvez l'utiliser indépendamment. Celui-ci, vous n'êtes pas obligé. Le cadre aussi. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser avec les lettres, mais moi, je vais vous montrer comment l'utiliser avec les lettres. C'est-à-dire, si vous avez déjà un des tampons que je vais montrer, vous pourrez l'utiliser, mais les motifs, vous pouvez les utiliser indépendamment. Vous voyez, par exemple, ici, on a des jolis petits nœuds. Je vais vous montrer de plus près, je vais laisser les nœuds en dessous. Voilà, vous voyez, on a des beaux petits nœuds. Bon, celui-ci est en vert, mais les petites fleurs ici, c'est magnifique. Il y a vraiment de jolies choses. Le petit ange là qui se cache les yeux, j'adore. Enfin voilà, il y a de quoi il faire. Il se cache les yeux ou il se cache la bouche? Il se cache le visage. Et pour vous expliquer, sur celui-ci là, j'ai utilisé les deux petits qui sont là. Donc il y a Chantal qui précise qu'elle fait une commande, donc il faut que tu lui dises si tu as besoin de quelque chose. Ça marche, je prends note. Donc j'ai fait ça et j'ai aussi préparé. Hop, celui-ci pour vous montrer. Tu veux passer un message, je ne le vois plus. Donc ça, c'est un cahier que je vous avais déjà montré. Hein. C'est le cahier sur lequel je fais mes mélanges de couleurs. Mais donc voilà ce que j'ai créé en écrivant IBDECO. Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a Annelise qui dit, oh punaise, non, 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 il faut que je me dise que c'est très, très, très moche. Il faut que je résiste. Résiste, Annelise, résiste. Hop, voilà, je fais la mise au point. Donc, vous voyez, là, j'ai utilisé un grand carré. Avec les lettres et là les petites fleurs. On va faire de la démo, Stéphanie. Elle s'inquiète déjà de savoir si on va montrer quelles lettres vont avec ça. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous faire plus. L'idée, c'est que vous savez bien, on vous fait pas voir ça. Puis salut, voilà quoi. Hein, on va vous faire voir comment faire le D, comme là le D de déco, le O. Il y a un P cap ton O, tu le sais. Oui, je sais. Bon, pour la petite histoire, j'ai dû camoufler ici. Mais je vous expliquerai pour comment faire, pour ne pas faire la bêtise que moi j'ai faite. C'est-à-dire que j'ai posé mes lettres sur... Je suis en train de penser que je n'ai pas mon support. Ma plaque de... Tu peux me chercher ma plaque, s'il te plaît. La plaque quadrille. J'ai posé et quand j'ai retourné pour venir tout faire, c'était tout bien propre. Et mon O est tombé de la plaque et il s'est complètement décalé. Le O, la lettre O. La lettre O. J'étais dégoûtée, mais j'ai, voilà, pour vous montrer, j'ai rectifié et ça ne se voit plus. Et donc, je vous montrerai aussi comment mettre deux marques sur une même lettre. Parce que c'est un petit peu... C'est pas difficile, mais il faut savoir comment faire, tout simplement. On ne sait pas où tu l'as mis. Il n'est pas là au-dessus. Ben, papote, 2 minutes. Ah, il faut que je vous papote. Alors, je vais vous raconter une histoire drôle. Si tu veux. Pourquoi les castors... Ah ben non, mais non, 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 je ne peux pas la raconter. Voilà, allez, hop. Dans un premier temps, je vais vous faire une démonstration sur une feuille et après, on passera sur du support. Alors, voilà, moi, j'ai fait ça pour la... Attention, il n'y avait pas l'histoire du mou ? Si, attends. Pour la décoration de table, vous voyez, j'ai fait sur une serviette, j'ai mis un petit ruban. Vous pourriez très bien, hop, là, j'ai réalisé, par exemple, un rond de serviette. C'est avec le moule, c'est le moule Lowell Border. Hop. Voilà, c'est avec un des derniers moules de chez Lowell. Lowell, ouais. Lowell Border, c'est un des derniers moules de chez Redesign de la collection Noël. Donc là, j'ai utilisé celui-ci. Et tout simplement, je l'ai fait une fois que j'ai fait en résine. Hein. Une fois que la résine, je l'ai démoulée, elle était encore bien flexible. J'ai enroulé tout simplement hop, autour. Ils sont restés sur leur fin avec mon histoire. Hein. Vous savez où, pourquoi les castors ? Ben, peut-être. On verra si vous êtes sage. Donc, je l'ai fait sécher dessus. Une fois que c'était sec, tout simplement, et durci, je l'ai enlevé. Je l'ai peint avec un mélange de pigments et d'infusor. Et voilà, ça vous fait un beau rond de serviette. On pourrait très bien imaginer mettre la serviette plus en rond. Tu vas montrer les... Hop, et venir mettre le joli tampons rond de serviette dessus, par exemple. Les tampons alphabet, ça fait très César, ça. Oui, j'aime bien, moi. Voilà, donc ça, c'est une idée de réalisation avec les moules. Je pense que Charlotte a prévu de les montrer, Fabienne, les tampons alphabet. Ah oui, 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 je vais tout vous montrer, ne vous inquiétez pas. Donc. Parce qu'elle voudrait le voir dans son intégralité, tu sais. De quel? Le tampon alphabet, donc on ne verra pas celui-là, l'alphabet. Si c'est les lettres hein, que tu veux voir, Fabienne. Hein. Excusez-moi, c'est un petit peu le bazar parce que là, j'ai besoin de beaucoup de matériel. Et la place n'est pas très grande. Alors, ça, je vais les utiliser que tout à l'heure. Ça aussi. Ça aussi. Sybille a dit, à force de se faire tailler la queue par les canards. C'est ça. Donc, l'histoire, c'était, savez-vous pourquoi les castors ont la queue plate ? Et la réponse est, c'est à force de se la faire sucer par les canards. C'est pas bien. Bah, c'est une quoi ? Bah, le canard, il croit que c'est, j'en sais rien. C'est sa queue à l'arrière. Hein, c'est... Les tampons avec lesquels vous pouvez utiliser... On a une nouvelle avec nous. Annick Pacotte. Bienvenue, Annick. Alors, elle nous dit, je suis nouvelle sur le live. Avez-vous fait des lives de moulage, s'il vous plaît ? J'en ai, mais ça colle. Donc, comment faites-vous ? Merci. Alors, on en a... On en fera dimanche 17h. On va parler un peu des moules. Voilà, dimanche 17h, éventuellement, Annick. On tutoie, hein, même les gens qu'on ne connaît pas. Hein. Donc, tu peux revenir dimanche à 17h, on va en parler. Sinon, sur notre Facebook ou notre chaîne YouTube, tu peux retrouver des lives avec les moules. Donc, ici, on a un des tampons, c'est le Farm Hand, un des tampons alphabet que vous pouvez utiliser avec. Vous voyez, par exemple, il a été utilisé ici.
Je vous ferai certainement une démo après. On a Annick et on a une Rachel aussi, je pense. Rachel qui doit être nouvelle. Bienvenue, Rachel. Ensuite, on a... Je vais déballer celui-ci. C'est celui que moi, j'ai utilisé pour faire le M et que j'ai utilisé aussi pour faire le IB déco. Hop. Alors, j'ai une... Celui-ci est en deux planches. L'avantage, c'est que vous avez les lettres en majuscule, les lettres en minuscule les et chiffres. Les chiffres. Donc, vous avez vraiment... ça, c'est un double, hein, c'est un double tampon. Donc, celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé pour faire Rachel, le monogramme. La fille de WhatsApp. Vous voyez, le M, c'est celui-ci. Et par exemple, sur la planche ici, c'est celui qui a été utilisé là, 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 là et là. Voilà. Donc, celui-ci, le double, il est vraiment sympa pour faire. Ça veut dire que vous, l'avantage avec celui-ci, c'est que vous pourriez faire, par exemple, le M en majuscule, comme je l'ai fait avec le monogramme, et derrière, écrire en minuscule le reste du prénom, par exemple. Alors, Annick, nous, on ne pourra pas donner le prix parce qu'on ne connaît pas tout par cœur, mais Monique met les liens normalement très, très couramment. On devrait d'ailleurs l'embaucher, pour info. Oui. Donc là, elle a mis par exemple le tampon iodé Farmhand. Alors, je ne sais pas lequel c'est. C'est le simple. Alors, un simple, on va dire, est à 40,95. Les doubles sont à 54. Donc, ceux-là, voilà, ceux-là, c'est les simples quand il n'y a qu'une feuille. Quand il n'y a qu'une planche de... Une planche de 30 par 30. Et comme celui-ci, c'est encore un double, celui-là, je vais vous montrer également. Hop! Celui-ci, j'aime beaucoup et je vais l'utiliser aussi. Donc là, c'est plutôt pour faire de l'écriture liée. Bon, ouais. Il faut comprendre la tactique pour le faire. Mais... Je vais vous faire une petite démo justement avec celui-ci. Vous voyez, hop, vous avez... Donc là, c'est deux planches. Donc, les lettres sont quand même assez grandes. Assez grandes, ouais, c'est super sympa. Et vous voyez, c'est celui qui a été utilisé ici pour faire le J. Donc, eh ben, écoutez, on va commencer. Je vais vous faire la démo pour le... Je vais vous faire une démo pour une lettre simple. Et après, on fera pour une lettre où il y a du double. Quand elle dit une lettre simple, c'est par exemple un I, où un L, on ne met qu'une... un O. Une lettre double, ça va être un W, un M. Et ben, par exemple, je vais vous refaire le D de déco. Regardez, hop, on va reprendre la feuille à l'écran aussi. Je vais l'enlever du cahier. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que vous avez le... On l'a au-dessus, le... Je suis cadrée. Oui. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille d'application tampon. Je l'ai coupée. J'ai coupé un morceau. C'est plus pratique quand on fait des petites choses d'avoir une petite planche que d'en avoir une très grande comme ceci. Donc, voilà, j'ai pris cette petite planche. Quoi. Donc, pour répondre à Marine, oui, le rouleau est en... Le brailleur, donc, le rouleau. Je suppose que c'est de ça que tu parles, est en vente sur la boutique. C'est un nouveau produit aussi, hein. Ouais, enfin, c'est récent. Vous l'avez déjà réclamé l'année passée. Vous l'avez réclamé au mois de mai. Et leur design en a fait, donc voilà. Il est là. Donc, ça s'appelle un brailleur, mais je pense qu'on l'a mis sur la boutique. C'est le brailleur. Brailleur. En brailleur, on peut le retrouver. Brailleur, je vais... voilà, hop. Monique a mis le lien, le Ruber brailleur. Donc là, je prends les lettres pour faire mon mot. Mon fils a le même pour la linogravure. Ben, c'est normalement, à la base, c'est un produit pour l'imprimerie, pour les encres. Donc, on va vous montrer qu'on peut travailler avec les encres. Et tu fais qu'à l'encre ou tu... Non, je vais faire à la peinture. Et à la peinture avec ce brailleur. Je vais faire plusieurs choses. Lequel j'avais utilisé... Non, celui-là, il est plus petit. C'est celui que j'ai utilisé. Aussi grand, non. C'est celui-là. Oui. Hop, et le petit du haut, c'est... Il va te faire les masques ? Oui. Oh, putain, ça me fait... Alors. Tiens. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'on avait une planche de masque. Alors, attendez, je la cherche. Elle est là. Voilà. Alors, j'espère que vous allez voir. Mais je ne suis pas sûre. Cette planche-là, c'est une planche de plastique. Là, on va peut-être le voir parce que je les ai enlevées. Oh, c'est difficile de vous montrer. Je vais le sortir.
Donc, en fait, c'est tous les motifs que vous avez sur votre tampon qui sont découpés dans du plastique. Hop, je vais vous en défaire un, par exemple. Je vais défaire un gros, comme ça, vous le verrez. Hop. Voilà. Donc, j'en ai défait un gros. Ah, j'ai... Alors, j'ai Sam Tralala. Si je me souviens bien, c'est toi qui viens de venir en boutique. Ah, on parlait de toi. Voilà, je viens de découvrir Ibédéco. Une chose est sûre, c'est que je reviendrai. Merci encore pour votre disponibilité. La fille des feuilles d'or. Je lui avais dit, tu mets un petit mot, comme quoi tu es la dame qui a acheté les feuilles d'or. Voilà, ben, bienvenue. J'ai peut-être en utiliser en plus pendant ce live. Et j'adore son pseudo, Sam Tralala. Donc, vous voyez, là, j'ai un masque. Et c'est un morceau de plastique qui est exactement ce modèle-là. Vous voyez ? Dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà, donc c'est pile poil, ça recouvre pile poil le tampon. Je vais essayer d'être claire dans mes explications, mais vraiment, c'est pas compliqué. Pour ça, j'arrive pas à le remettre. Attendez, je m'attache juste les cheveux pour ne pas être embêtée. Donc, si vous avez des questions, si vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à le dire. Mais attendez quand même que je fasse un petit peu de la démo. Parce que je vais essayer de bien tout vous expliquer. Je vais laisser ça là aussi, peut-être qu'on le voit. On le voit, ouais. Tout juste, mais on le voit. Donc, l'idée, c'est d'écrire. Je ne vais pas faire le IB, je fais que le déco. Hein. C'est d'écrire déco. Jusque-là. Donc, déjà, vous prenez la petite feuille de dis-moi la matière. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais c'est de plastique. Voilà. Pour, voilà, comme ligne, on va dire, comme ligne d'écriture. Sinon, vous pouvez aussi vous tracer une ligne au pire. C'est ça. Donc là, je prends la petite fleur qu'on a utilisée ici sur le dé. Je viens la placer sur mon dé, là où je veux qu'elle retombe. Donc, je veux qu'elle soit ici. Je fais pareil pour le petit tampon du haut, en sachant que je mets le côté texturé qu'on va ancrer contre la lettre. Voilà, donc je me dis, hop, bouge pas. Je vais le mettre un peu plus bas que le haut, on va faire comme ça. Voilà, donc là, mes deux décorations de lettres sont placées. Je viens prendre ma feuille. Je pose dessus. Hop, je les fais bien adhérer. Forcément, ça adhère à la lettre, c'est normal, on s'en fiche, on les enlève. Voilà, donc là, hop. Remonte un peu, chat, s'il te plaît. Dézoome un poil, peut-être. Dézoome. Ben, je ne sais pas, il y a... Non, on est dézoomé à fond. Donc là, j'ai mes deux décorations de mon mot qui sont bien placées. Alors là, je n'ai pas choisi le plus simple parce que je vous fais vraiment un mot. Mais après, on va faire juste la première lettre, le monogramme, désiré, c'est très facile. Donc voilà, là, j'ai mes deux décorations. Qui sont placées là où elles doivent être sur le mot déco. J'appuie bien, je ne me ferai plus... Ah non, hein. C'est un peu poussiéreux dessous. Attendez, je vais mouiller un peu avec ma lingette. N'hésitez pas à mouiller un petit peu le dos de vos... Faut que j'en fasse. Hop. Faites attention parce que si okay. Votre plaque ou votre tampon est poussiéreux... Ah, ça va, tu recommences. Oui, je sais pas. Ça ne va pas bien adhérer. Sinon, tu as un torchon. Voilà. Donc, on nettoie bien. Hop. Attendez, je refais ça très rapidement. Ne faut-il pas poser les lettres à l'envers ? Non. Regardez. Laissez-moi faire la démo. Bon, et voilà. Pas que vos questions m'embêtent. Hein, mais sinon, vous allez comprendre après. Vous allez poser des questions pour rien parce que vous allez vite comprendre comment ça se passe. Hop. Donc là, c'est qu'est-ce qui est au-dessus ? C'est la partie plate qui est au-dessus. Hein ? Oui, pas la texturé, il est en dessous. La partie plate de votre texture, voilà, elle est en dessous. J'appuie bien pour hop, prendre les boutons. J'enlève les lettres, c'est normal qu'elles se collent vu que c'est du silicone. Le C. Le C, hop. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je prends de l'encre. Donc là, je vais faire le simple, je fais à l'encre. Ça tombe bien de recommencer car j'ai pas bien compris. Mon encre noire. Je n'ai pas mon encre noire. Si,
plus, on a ça. Normalement, j'ai une redesign. Bon, c'est pas grave. Hop, donc je prends mon encreur. Je viens ancrer donc les lettres. Enfin, les décorations des lettres, pardon. Si vous bavez, vous essuyez. Tout à fait. Hop, ce que je vais faire, je vais quand même mettre quelque chose de rigide sous ma feuille parce que mon cahier est quand même assez mou. Voilà. Donc, tout ce que vous bavez avec l'encreur, là, il faut enlever pour être sûr. Hein. Surtout quand tout à l'heure, on va travailler sur du textile. Voilà. Il faut qu'il y ait de l'encre vraiment que sur vos motifs. Et ensuite, tout simplement, je retourne. Donc, Patricia, là, on travaille avec des tampons. Comme les tampons Mickey pour les gamins, sauf que là, c'est des tampons plus grands. Des tampons décor. Voilà. Maintenant, je viens bien l'ancrer. Donc, j'appuie sur mes tampons. Pour bien faire déposer l'encre sur mon support. Donc, ce que je fais là sur une feuille, c'est pareil sur un meuble, c'est pareil sur tout. Hein. Donc, j'enlève maintenant mes tampons. Je les donne à mon assistante qui va me les nettoyer. Hein, juste petit coup de lingette. Hein, Donc, ça, c'est fait. Maintenant, tout simplement, je reprends mes lettres que je repose aux endroits où elles vont être posées après. Jusque-là, hop, je les remets. Ma petite cale, comme ça je suis sûre que mes lettres seront droites. Vous voyez là, pour le moment, c'est pas compliqué. Hop, il faut que je décale un peu mes lettres. Merci. Pour bien que mon haut retombe également sur la petite décoration qu'on lui a prévue. Là, mes lettres sont OK. Ce que je fais, je reprends ma petite feuille. Je viens déposer dessus, comme ça je suis sûre que mes lettres sont à la bonne place. Mais elles sont à l'angle. J'ai le côté plat toujours vers moi. Le côté qui doit être ancré, toujours côté oui. Support. Voilà, j'ai mes lettres. Je ne me fais pas avoir. Je ne veux pas que mon haut il retombe comme ça qui est arrivé. Voilà, je mets un petit coup de brailleur, comme ça adhère bien sur ma plaque. Je reprends maintenant. C'est là que les masques sont importants. Parce que si je viens tamponner là tout de suite avec mon dé sur la fleur, ça ne va pas faire joli. Vous voyez bien qu'ici, j'ai ma lettre qui s'arrête où il y a la fleur. On voit là-haut, hein, maman. Oui. Donc, vous voyez bien que le D, la lettre, ne va pas sur la fleur. Et bien, c'est à ça que servent les petits masques que vous avez avec votre tampon. On vient le prendre, on le place bien. Alors, désolé parce que c'est… Essayez de vous zoomer pour cette partie-là, la réalisation. Après, on n'entend pas une mouche voler. Ils sont tous attentifs. Donc là, vous n'allez pas le voir, le masque. Hein. C'est tout petit, c'est transparent. Mais moi, je vous le dis, je le passe, Mets-le entre tes doigts, juste pour qu'on voit à quoi ça ressemble, le masque. Ben, j'en ai montré un grand tout à l'heure. Ah, d'accord. J'ai montré celui-là. Voilà, donc voyez, le masque, c'est ça. Hein. C'est un morceau de plastique. Hein. Donc, hop, je le prends. Donc, vous cachez, votre masque va servir, comme son nom l'indique, à masquer ce qui est déjà ancré. Vous le cachez. Donc là, mes masques sont bien posés. On vient mettre donc de l'encre sur nos... Mettez pas l'encre avant de poser vos masques. Sinon, l'encre va sécher sur votre tampon. Attendez, je vais enlever ce masque-là. Voilà, je viens bien. Les masques sont sur tous les tampons? Non. Alors, pas sur tous, mais sur la plupart. Mettre beaucoup les tampons iodés. Surtout, chez Yodé. Pour celui-ci, par exemple, j'ai les masques des lettres. Pour un autre que j'ai, je n'ai pas les masques des lettres, mais justement, je vais vous expliquer comment créer votre masque vous-même. Donc ça, n'hésitez pas, hein, comme le dit Monique, à vous faire le replay pour bien comprendre. Et après, il faut que vous vous entraîniez d'abord sur des brouillons. Tu n'as pas enlevé tes masques. Vous entraînez d'abord sur des feuilles de papier pour bien assimiler la technique, la procédure, les différentes étapes. Voilà, mes masques sont bien posés sur ce qu'on a ancré tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai fait l'autre jour, j'ai fait ça, et là, mon haut est tombé. J'étais dégoûtée. Et là, tout simplement, avant de le poser, je me mets bien où mes lettres doivent atterrir. Et quand vous êtes là où vous devez, vous posez et vous appliquez, vous appuyez. Vous appuyez sur l'encre. Alors, vous pouvez mettre également un petit coup de brailleur sur vos lettres. Il faut être sûr de ne pas avoir dépassé avec votre encre. Hein. Oui. Hop. Toujours maintenir. Hein. On ne roule pas si on ne maintient pas sa plaque. Hein. Hop. Donc, normalement, j'ai bien roulé partout. Voilà. Alors, vos masques restent sur vos tampons, c'est normal. Et vous voyez,
Là où il reste de l'encre sur mon tampon, c'est là où il y avait le masque. La feuille n'a pas pu boire l'encre. C'est où il y a les masques. Donc après, regardez si j'enlève mon masque. Voilà. On voit pas. Ah, attends. Voilà. Vous voyez, c'est mon masque sur lequel normalement le dé aurait dû s'appliquer, mais avec le masque. Donc, l'encre est donc sur le masque et non pas sur ma feuille. Donc là, on a travaillé qu'avec la couleur noire. Vous pourriez très bien faire le feuillage en rouge et le reste avec du bleu, du ce que, oui, ce que, là, ce que moi, vous voulez. Oui, là, moi, je fais simple, hein, mais vous pouvez bien évidemment, comme vous voulez, dit quoi. Isabelle, superposer les couleurs. Attends, il y a... Travailler avec différentes couleurs. Bon, déjà, est-ce que cette technique-là... T'as le retour, toi? Oui. Il y a des messages à enlever, j'arrive pas. Ah, ils apparaissent pas. Est-ce que déjà cette technique-là vous plaît? Est-ce que vous l'avez comprise surtout? Et est-ce qu'on peut passer à la suite? Il y a Fabienne qui dit qu'elle a de l'écho. Ah bon? Je vais essayer d'enlever le son ici, peut-être que... Non, ça ne change rien. Donc voilà, là c'est ce qu'on a fait. Par contre, pour ici faire le IB. Hop, voilà. Je tire le cahier. Il existe de l'encre or, on me demande. Là, j'ai utilisé de la cuivre, il existe de l'or, il existe... argent. Il y a des nouvelles chez Redesign, donc il existe argent, bleu et rose... Comment ils l'ont appelé, le rose? Je ne sais plus. Oui, je vous montrerai. Voilà. Bon, pour faire le IB ici, je n'ai pas de masque pour les lettres. Ici, j'ai travaillé à l'inverse. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait mes lettres... Et ensuite, je suis venue mettre ça. Mais si j'avais mis ça sur mes lettres, on l'aurait vu passer. Et là, vous voyez, on voit bien. Je vais vous zoomer. C'est bon. Vous voyez ici, on voit bien que mon motif ne vient pas jusque la lettre. Il y a quand même tout un rebord qui n'est pas ancré. Et bien, tout simplement... Donc, les imperfections dans les lettres, au fait, c'est le tampon qui est comme ça, hein. C'est des lettres qui sont un peu usées, on va dire. Ah oui. Vous voyez, j'ai tout simplement fait sur une feuille le tampon IB que j'ai découpé et ça me sert de masque, tout simplement. Donc, j'ai ancré sur ma feuille IB, j'ai pris les masques que j'avais découpés, je les ai posés et je suis venue faire mon masque. Et on le voit bien, vous voyez, il y a l'encre. Attendez, je fais la mise au point. Il y a l'encre cuivre, on la voit sur mon masque. Sur le masque. Donc, quand vous n'avez pas de masque, en fin de compte, vous le créez vous-même. Donc, j'avoue que... Enfin, après, si vous deviez faire un masque comme le carré, là, qui est en dessous, où vous en... Enfin, ce qui est fait en doré, vous faites un carré, hein, vous ne faites pas tout le machin. Hein. Vous ne vous embêtez pas à faire tout le contour découpé de... Vous faites juste un carré. Hein. Voilà, donc ça, c'est la première démo. Maintenant, je vous ai montré comment faire quand vous avez plusieurs lettres. C'est exactement la même technique quand vous avez une seule lettre, comme ici le M, mais avec deux tampons. Donc, je vais vous faire la démo également. Attends, hop, il me faut ça. Alors, vos petits masques, je vous conseille de les mettre dans une petite enveloppe et vous notez le nom du tampon sur votre enveloppe. Tu cherches quoi, là? Hop, donc je reprends les deux que j'ai utilisés là. Chantal a dit non, mais même là il faut des masques. Désolée. Hop, et je viens prendre donc ma lettre M. Ça va, Nathalie? Elle est sage, hein, Nathalie? Nathalie, toi. Oui. Donc, hop, j'ai mes petits masques là. C'est ça, vous créez votre masque quand il n'y en a pas. Tout à fait. Donc là, j'ai mon tampon lettre M que je suis venue prendre ici. Alors, je vais travailler sur du papier. Candy demande si tu le fais sur du papier. Nous, on a fait là, sur du papier. Là, je fais du papier pour vous montrer parce que c'est plus simple. Mais après, on va travailler sur autre chose. Hein. Non, mais les masques. Ah oui, j'ai fait sur du papier. Enfin, je pense que c'est ça. Tu le fais sur du papier, les masques, je suppose. Hein. Ben, je ne peux pas le faire sur du plastique parce que mon encre ne va pas s'imprégner dans le plastique. Tu sais, ça glisse de l'encre sur du plastique. Après, je dirais que le papier, l'avantage, c'est simple. Tout le monde a du papier sous la main. Ça. Et puis, voilà quoi. Donc ici, je prends, vous voyez, ça c'est la feuille où il y a tous les tampons dessus et donc les lettres sont marquées. Et bien, de la même... C'est qui, Nathalie? Nathalie, c'est une petite stagiaire qui est chez nous encore une semaine, ça va en faire trois. Enfin, une petite vieille, hein, mais... J'ai où ma... Tu l'auras droit à chaque fois, hein. Donne-moi ma plaque, s'il te plaît, vous ne m'avez pas rendu, merci. Donc, non, elle n'est pas vieille, elle est plus jeune que moi. Elle a 47 ans. Non, c'est bon.
Enfin, je me permets de donner ton âge, on s'en fout, on ne voit pas l'écran. Donc là, je viens poser mes masques où je veux, enfin mes décorations, pardon, où je veux qu'elles soient sur ma lettre. Parce que vous voyez, si là je me disais, bon, le M, ça doit faire à peu près ça, quand je vais reposer ma lettre par-dessus, impossible de retomber pile poil. Hein. Donc vous prenez le modèle sur la lettre directement. Ah, il y a la question à laquelle tu t'attendais. Attends deux secondes. Je finis de cette explication. Donc, j'ai posé là-dessus. Est-ce qu'on verra ça à frimousse en dehors ? Mon support de feuille de certification. Tu peux arrêter de parler. Tu sais que c'est ton micro en plus. Donc, on m'entend moins bien quand tu parles. Laisse-moi parler, expliquez-moi. Je vais finir par la punir. Hein. Donc, voilà. Mes masques, enfin, mes décorations. Il faut que j'emploie les bons mots parce que sinon, je vais vous perdre. Les décorations sont là-dessus. Hop, et ben on va faire un petit effet. Plutôt que vous refaire exactement le même, je vais vous montrer quand vous faites avec deux couleurs différentes. Là, je vais prendre donc l'encre redesign couleur. T'as pas le doré ? Non, je l'ai pas là, le doré. Tu l'as pas ici du tout ? Non. Donc je mets de l'encre copper. Non, mais elle est pas ici du tout. Non, elle est pas du tout. Je l'ai pas. Je l'ai pas entamée pour moi. Hop, voilà. Donc j'ai mis de l'encre copper. Surtout, je ne trompe pas de sens. Attendez, j'ai un doute du coup. Voilà, c'est comme ça. Vous faites attention au sens, venez pas faire attention que tu ne sois pas à cheval sur ta planche en dessous. Merci, maman. Merci, maman. Tu es trop basse. Tu es trop vert. Merci. Hop, je pose donc. Alors, aidez-vous aussi des lignes. Du quadrillage. C'est-à-dire que quand vous le faites. Mettez votre lettre déjà. J'ai bien mis ma ligne en bas de la lettre. Comme ça, je suis sûre que ma lettre, si je la pose et que je me fie à la ligne, je serai droite quand je vais poser ma lettre. Donc, hop, de la même manière que tout à l'heure, je fais mon tampon. Voilà. J'enlève ça. Hop. Donc, ils disent que tu n'es pas vieille, mais que tu es recyclée. Ouais. Elle n'est pas vieille, elle est vintage. C'est une jeune recyclée. On prend nos petits masques comme tout à l'heure. On vient bien. Je vous zoomer. Est-ce que c'est mieux peut-être comme ça pour vous zoomer ? Voilà, on voit qu'il y a le masque à gauche. Et je viens bien poser mon masque sur la deuxième. Ne vous inquiétez pas sur la planche de masque. La planche de masque est faite exactement pareil que le tampon. Donc, vous savez où se trouvent vos masques. Ouais. Enfin, une fois que tu les as décrochés. Ouais, après, ils se reconnaissent quand même. Ouais. Donc, vous posez votre M sur la ligne. Voilà. Je mets un petit coup de brailleur pour bien faire adhérer mon M là-dessus. Et donc, là, je vais prendre... Tu sais que t'es hors champ, hein. Le noir. Ah, bah oui. Donc, j'ai juste posé ma lettre. Bah, attendez, je vais mettre mes masques après. Je pose ma lettre. Je viens l'ancrer. Petite information que je n'ai pas dite parce qu'on l'a déjà fait. À la première utilisation de vos tampons, n'oubliez pas de mettre un petit coup de papier abrasif sur vos tampons pour que le médium que vous venez appliquer, comme là par exemple l'encre, adhère mieux. Oh, je tremble. Voilà. Papier avec les ombres de la lumière, là, je suis... Que bien. Voilà. Et donc... On prend notre M, on vient bien le placer où on avait prévu de mettre les décos. T'as fini de trembler ? Ouais, beaucoup. Manque d'alcool, ça. C'est pas vrai, hein ? Hop, voilà. On appuie bien partout. Oh, quel est le nom de l'encre vert sapin ? Faut que je regarde déjà si j'en ai encore. Et j'en ai pas moi là. Faut regarder dans les encres philosophie là. Elle est en train de créer sa wishlist, Fabienne. Et... Hop, voilà. Et donc, les masques. Attention, hein, on voit pas trop. Hein. J'enlève les masques. T'es vous un voyez. Peu trop. Ouais, là c'est mieux. Non, je vais dézoomer. Voilà. Et quand j'enlève les masques, ça fait exactement ce que ça a fait. Donc ici, on a décidé de mettre les feuillages sur ces bâtons de lettres-là
on pourrait très bien n'en mettre qu'un, et par exemple, ah, oui, que oui, sur le gros bâton de droite. Oui, oui, enfin, sur ce... vous faites là comme vous voulez. Hein. Ben, je pense qu'il avait fait le M comme ça et que j'ai copié, non ? Ah, ils avaient fait le W comme ça. Ah, ouais. Je fais la même chose avec le M. Non, mais vous voyez, là, par exemple, sur un I, carrément faire un très gros monogramme comme ici, avec le A. Faites comme vous voulez. Donc déjà, voilà, vous voyez la différence si on utilise de la couleur. Le fait d'utiliser de la couleur, ça démarque vraiment le fait que vous avez décoré votre lettre et que ce n'est pas un tampon qui est fait tel quel. Oui. Parce que c'est fait en deux couleurs, voilà, c'est plus de recherche. Là, j'ai utilisé du cuivre et du noir. Vous pouvez utiliser donc de la peinture. Hein, vous pouvez utiliser de la peinture, auquel cas, par exemple, vous faites ça en rouge, la lettre en vert, par exemple. C'est possible, on va faire après une démo avec de la peinture. Hein. Donc voilà, bah, je vais peut-être vous en faire une petite lettre. Apparemment, ici. Ça plaît beaucoup. Et c'est bien, ça me fait plaisir. Alors, allons-y. Et voilà, question bonus. Voilà, j'ai mis mon petit bonnet pour suivre avec mon Père Noël. Donc, pour les nouveaux, les nouvelles, sachez que pendant les lives en folie, on fait des questions bonus, c'est-à-dire qu'on pose des questions et la première bonne réponse qui apparaît sur notre PC, parce que c'est pas le... Vous, quand vous validez, c'est normal, vous vous voyez en premier, mais nous, ça n'arrive pas forcément dans le même ordre chez nous. Ouais, Fabienne, je suis désolée, mais les encres philosophie, beaucoup sont arrêtées. Elle dit que les couleurs qu'elle aime bien sont ah ouais, disponibles. Alors, vas-y. Je le fais. Si tu veux. On voit un élève, non. Ah oui, c'est ça. Donc, pour gagner... Ah ouais, mais du coup, j'ai... Bon, bah, tant pis, vous allez voir le cadeau avant que je vous le montre. Mais c'est pas grave. On va vous faire gagner... Hop, un sac en coton comme celui-ci que vous pourrez personnaliser comme vous le voulez. Et aussi... Un pochon. Un grand pochon XXL. Alors moi, pour la petite histoire... Je l'ai utilisé pendant 3 ans, personnalisé pour les filles, pour emballer leurs cadeaux de Noël. Ça permet, déjà c'est plus facile, il n'y a pas tous les emballages avec. Je mettais les cadeaux dedans, je mettais ça au pied du sapin. Il y a un cordon là pour le faire. Voilà, vous avez un cordon pour vraiment faire pochon. C'est un sac qui fait 38 litres, donc vous pouvez quand même mettre de beaux cadeaux dedans. Et voilà, donc vous aurez 2 textiles en coton, 140 grammes par mètre carré, donc ça fait quand même c'est de la bonne qualité. Matière, voilà, vous aurez hop ça à personnaliser. Donc la question. Ils vont ciser. La question est quel est le moule que j'ai utilisé pour faire le rond de serviette? Alors ça, bon courage parce que c'était au tout début. Ouais. La question n'est pas simple, j'avoue. Bah il faut pas tout leur dire non plus. Hein. Et il y a 4 tailles de pochon, c'est ça, Monique? Non, donc ça, c'est la marque. Voilà, je demande le nom. La référence, le nom de référence. Non, je ne l'ai toujours pas. Ah Là, non Non, je ne l'ai pas encore. Non, j'ai vu ce message-là. Désolée, Karine. Là, avant. Quoi? Non. Bah non, il n'est pas complet, moi. Là, je l'ai. Voilà. C'est qui? Jocelyne. Alors, j'ai eu des Lowell avant, mais ce n'était pas le nom complet. Donc, le nom complet, c'est Lowell Border. Sinon, Wilfried était le premier avec Lowell. Mais voilà, le nom n'était pas complet. Derrière, il y a quelqu'un d'autre qui avait dit Lowell aussi. Je ne l'ai pas. Alors, on aura accepté Lowell, les fautes d'orthographe. Oui, bah, comme je vois Audrey, elle avait marqué Lowell. Ouais, on l'aurait. Je l'aurais accepté, bien évidemment. Donc, c'est Lowell Borders, normalement, puisqu'il y en oui, a oui, c'est vrai, normalement, il y a un SO. Donc, le moule, on va dire, donc c'était celui-ci hein, qu'on a utilisé pour faire, je ne sais pas où le Monique, lol, SOS. Pour faire ce rond de serviette, c'est-à-dire qu'on a créé le moule et après, on l'a courbé, hein, on l'a mis sur le brailleur, je pense. Je l'ai dit tout à l'heure sur mon brumisateur. Voilà, enfin, bref. Donc, Bravo, Jocelyne, c'était Jocelyne. Hein. C'est ça, ouais. Je sais, j'ai plus le message, hein, il est remonté déjà bien trop haut. Il est monté trop haut.
Non, mais Jocelyne, voilà. Tu l'as gagné. Donc comme ça, un pochon et un sac. Tu pourras confier, tu personnalises le sac, tu le confies au Père Noël. Et comme ça, le Père Noël pourra ramener les cadeaux de tes enfants, de tes petits-enfants, dans un beau sac personnalisé que tu lui auras confié. Voilà, moi, je te dis, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et voilà. Mes enfants étaient contents que le Père Noël ramène vraiment leur cadeau dans un sac personnalisé. Le sac coton, voilà, pour... Pour aller au marché, pour faire ce que vous voulez. À personnaliser aussi, hein, entraînez-vous. Hein. Alors, pour tout à l'heure, ça me fait penser que tout à l'heure... Avec plaisir, Jocelyne. On nous a posé la question des textiles, si ça tenait, et on a passé à autre chose. Donc, si vous voulez que ça tienne, déjà, prenez des encres permanentes ou travaillez à la peinture. Et pour fixer, il faut de la chaleur. Donc, faites-le au fer à repasser avec une feuille sulfurisée. Voilà. Alors après, je vais être franche avec vous. J'ai déjà fait à la peinture, ça a descendu d'un demi-ton. Oui. L'encre, on n'a pas essayé. Hein. Après, voilà, les serviettes. Moi, celle-là, je ne l'ai même pas fixée, rien. C'est plus dans le principe de la déco que vos invités, par exemple, peuvent reprendre la serviette. Ils ne vont pas s'essuyer la bouche avec plein de rouge à lèvres dessus. Et voilà. Enfin, j'espère pour vous. Allez, voilà. Mais vous pouvez faire des coussins. On avait déjà fait des lives, des coussins avec des tampons. J'ai essayé, Karine. On peut faire, vous pouvez vraiment vous éclater avec des textiles. Voilà, allez, je vous rebascule. On fait une petite lettre à la peinture. Je réfléchis, je vais directement travailler sur un toner. Ou le sèche-cheveux, tout à fait, oui. Sylvia, merci. C'est bien d'avoir des pros avec nous, hein, ils nous donnent leurs conseils. Hein. Donne-moi le sac en coton, s'il te plaît, je vais travailler dessus. Repassez-les avant. Oui, c'est mieux. Hein. On ne l'a pas fait, mais c'est fait tout ce que je dis parce que je fais. Donc là, je vais faire un petit sac pour ma fille. À l'école, elle doit arriver avec son doudou, etc. Je vais faire un sac à son nom. Hop. Moi, je pensais plutôt que les invités utilisent la serviette et se retrouvent avec plein d'encre sur le visage. Non. Maintenant, l'encre, quand elle est sèche, non, c'est OK. Hein. Donc là, j'ai mis une petite plaque en bois en dessous pour vraiment bien être lisse, pour bien être dure et que le textile ne soit pas mou. Donc, et qu'éventuellement, si vous mettez quelque chose de trop humide, ça ne traverse pas. Aussi. En fonction des matières. Et on va faire, donc, pour ma petite, je vais faire un jade. Et je vais vous faire avec celui avec les lettres liées, avec l'écriture liée. Alors là, ce qu'elle a utilisé, Charlotte, ce n'est pas la or comme encre. Fabienne, c'est la cuivre. Après, il y a une encre plus dorée. Voilà. Là, elle est un peu plus, il y a un peu plus d'orange dedans. Plus cuivre, tout à fait. Voilà. Alors, n'ayez pas peur de tirer sur vos tampons. C'est normal s'ils sont un peu durs à retirer. On va vu qu'il est tout neuf celui-ci, qu'il n'a pas encore été utilisé. Vous voyez, je vais l'utiliser avec vous. Maman va me les... Hop. Tu vas en faire quoi Tiens, tu le... Donc là, Isabelle va juste prendre un papier abrasif et un peu rayer la partie où l'on met l'encre. Pas la partie lisse, la partie... En relief. En relief. Où la lettre en elle-même. Alors, tiens, J, A. Le D est là. Que je fasse le bon côté. C'est pareil, hein, cette feuille-là, c'est normal si vous avez un peu de mal à la tirer. N'hésitez pas à tirer dessus. Il ne faut pas avoir peur, vous n'allez pas les abîmer, vos tampons. Mais je suis vraiment obligée de tirer et c'est normal. Hop. Voilà, j'ai mes lettres. Je vais donc prendre une petite décoration et je vais un peu copier sur ce qu'ils ont fait, clairement. J'ai beaucoup aimé ce J, là, comme ça. C'est peut-être même celui que j'ai utilisé. Non, c'est pas le même. Alors, on va aller chercher. Je pense que c'est celui-ci. Le D, ça ? Oui. Alors, n'oubliez pas, hein, on a fait l'expérience hier. Une lettre qui avait été, un tampon qui avait été griffé avec le papier et un qui ne l'avait pas été fait. Oui, et on a vu la différence. Hein. Non, Stéphanie, la philosophie sépia ne fait pas dorée, c'est vraiment sépia. Elle n'est pas dorée. Alors, je crois que je suis en rupture de l'encre dorée. Je vais en recommander, ne vous inquiétez pas. Hein.
Je ne sais pas si je l'ai mis en précommande. Si ce n'est pas le cas, je vais voir pour faire le nécessaire après pour que vous puissiez quand même la commander. Un sac à trésors pour Noël, les petits-enfants au fond du sapin, comme j'ai 8 petites filles. Un sac à Nana avec les prénoms dessus. Après, on a des, d'autres tailles hein, pour les pochons. Pour les petits pochons, il y a 4 tailles sur le site. Là, on vous a offert le très, très grand. Ils sont pas là. Pour que ça serve un peu de hôte de Père Noël. On ne les voit pas, là. Mais non, je n'ai pas mis la photo. Mais sur le site, vous verrez, j'ai mis la taille, la contenance en litres, etc. Il y a le tote bag, on l'a. Mes lettres, tiens, il y a celui-là aussi. Hop. J'ai mis là en dessous. Là. Et maman, il va falloir que tu me sortes le masque de celui-ci. Donc là, maman va me chercher le masque de celui-là. Tu les as mis, les masques ? Si, je te parle dans ma... Donc, je reprends la plaque de mon tampon sur laquelle hop, j'ai le J qui est ici. Tu m'as dit, putain. Et quoi ? C'est lequel ? Le deuxième, le très grand. À côté de celui qu'on a déjà enlevé. Le même, mais en plus grand. Attendez, j'attends parce que Nathalie est en train de me filer. Ouais, rapidement, Nathalie, t'en veux. Celui-là ? Quoi ? Oui. Voilà, donc je regarde où je vais placer. Je ne sais pas si c'était celui-là. Sur la... Il est plus fin. Ah non, c'est normal. Si, si, c'est celui-là. C'est juste qu'ils l'ont fait reprendre sur cette lettre-là. Ça fait très beau d'ailleurs. Donc voilà, je vais le placer comme ça sur mon J. Donc vous allez me dire bah, pourquoi tu ne l'entres pas direct. Tout simplement parce que est-ce qu'il faut que je le mette comme ça, plus incliné, moins incliné. Là, le fait de le poser sur ma lettre, tu vois le rendu. Déjà, je vois le rendu si ça va me plaire. Voilà. Et après, avec ma plaque, comme je vous disais tout à l'heure, je le mets bien droit. Comme ça, je suis sûre que ma lettre sera droite quand je vais venir l'ajouter sur ça. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur ? Je vais faire la petite déco avec du Barn Red, donc qui est un rouge foncé. Donc là, on travaille avec les peintures. On change la technique. Donc, vous avez repris tous mes petits mélangeurs, tout ça, tout à l'heure. Les filles, maman, derrière toi, j'ai plus mélangé, j'ai plus rien. C'est Nathalie, elle est trop rapide, elle range trop vite. Donc, j'ai pas besoin de trop la mélanger, ma peinture, je l'ai utilisée tout à l'heure. Je prélève un peu de peinture que je mets sur ma plaque silicone. Je vais venir avec mon brailleur. Ah, j'aurais dû le faire dans l'autre sens, mais ça va. Hop. Alors, l'avantage du brailleur, du rouleau, c'est que c'est un rouleau en caoutchouc, donc on ne va pas l'engorger de matière de peinture. Je vais faire comme ça, je vais retenir sur le fond, puis je suis sûre que ça va dans mon sac. Donc, j'ai mis de la peinture bien partout sur mon brailleur. Et je viens donc... Et comme ce n'est pas mou... J'étais un petit peu surchargée, là. Donc, j'espère que ça va aller. J'ai mis un petit peu... Tu es en train de me casser mon argumentaire ben, parce que j'ai pas bien... ma plaque, j'ai mis trop d'encre, pas trop de peinture. Ouais. Détrempe-le une fois. Ouais, je vais le faire. Hop, je vais faire un essai parce que là, je pense que quand ça vous fait ça, là, que ça fait un surplus de peinture, c'est pas forcément bon. Après, si vous travaillez sur du rigide, ça va aller. Mais si vous travaillez sur quelque chose d'un peu mou, ça peut. Non, c'était bien. Tu peux remettre deux. Il n'y a pas besoin d'appuyer trop fort avec votre brailleur. Hein. Vous déposez juste l'encre. La copper n'est pas dorée, hein, Stéphanie. La copper, normalement, elle est cuivrée. Hein. Ah, parce qu'elle dit elle fait pas dorée sur le site. Une copper, c'est cuivre. Non, une copper. Non, mais il y a une dorée aussi. Ah. Donc là, j'aligne bien le bas avec le bas, perpendiculairement, pour que je sois sûre que mon mot soit droit, vu que quand on est venu récupérer ça. On l'a fait. Je te laisse faire. Attends, Là, je me dépêche un peu parce que sinon, ma peinture va sécher. Charlotte, je ne sais pas si elle vous l'a dit, que tu l'as découpé, ça. Oui, je l'ai dit. Hein, vous pouvez prendre un polyfat, polysat, je sais plus comment c'est. Acétate. Je sais plus. Enfin, bref. Ah, ouais, j'ai trop parlé. On commence. Hop, la peinture, il faut quand même assez rapide. Assez rapide, ça sèche plus vite. Hein. Hop, on va essayer de se reposer
pile poil. L'avantage d'avoir pris mon repère de perpendiculaire, c'est plus facile quand j'ai un peu raté de me remettre bien. Sinon, comme là, vous prenez la plaque en entier, vous mettez le bas de la plaque en bas du sac, oui. Et comme ça, voilà. Comme ça, vous suivez bien. Bon, Nathalie, je te laisse faire. Là, tu vas peut-être devoir y aller avec la brosse. Non, c'est pas du polyphane. Enfin, ça ressemble à du polyphane. Hein. Et maintenant, on vient placer donc nos lettres. Là, je vais avoir besoin de ma plaque qui est un peu plus grande, je pense. Hop, merci. Donc, je viens placer. Enfin, je pourrais faire d'abord mon J. Hop. Parce que là, avec celui-ci de tampon, il ne faut pas faire les lettres tout ensemble. Parce que vous voyez, c'est lié. C'est-à-dire que la boucle ici, elle doit venir hop, dans la lettre. Cette plaque-là n'est pas fournie, Sandrine. Par contre, dans le... Il y en a certains qui... Voilà, c'est dans... Est-ce que vous voyez ce que ça va donner? Attends, je laisse finir Charlotte. Ça donnera le J, le A qui part dans le D et le D qui part dans le E pour que ça fasse vraiment une écriture liée. Donc, je ne peux pas là les prendre et les poser telles quelles. Je ne vais pas réussir à bien les poser. Donc, je vais faire lettre par lettre. Ou alors, je pourrais... Enlever que le D. Ouais, enlever que le D. Bon, E, je l'ai laissé où il fallait. Remettons D par au-dessus. Le A sera bien ici. Je regarde. Hop. Là, apparemment, on serait pas mal. Attendez, hop. Ouais, c'est bien. Donc, il y a Sandrine qui demandait si la plaque n'était pas fournie. Donc, cette plaque-là est vendue séparément. Oui. Sinon, tu peux utiliser les plaques qui protègent tes tampons, oui, mais elles ne sont pas marquées. Elle n'est pas aussi rigide et elle n'est pas marquée. Elle n'est pas marquée, sauf chez Redesign. Oui. La plaque est marquée. Mais ça, c'est vraiment ça pas coûte cher. Rien. Ça coûte 3 euros et quelques. C'est pour ça que je ne me suis même pas embêtée que je l'ai coupée. J'aurais même pu couper là pour en avoir une de cette taille-là. Mais au moins, là, j'en ai une très grande si j'ai besoin. Mais là, je vais la tenir dans ce sens-là. Puis là, l'avantage, c'est qu'elle fait 40, quoi. Ouais. Alors là, je vais le faire de façon méthodique. Quand je vais venir rechercher mes lettres, je vais poser justement le bas en bas de mon tote bag. Vous voyez ? Donc, je pose le bas. Ainsi, quand je vais... Hop, je me suis un peu décalée. Bon, je saurai qu'ici, il faut que je mette un millimètre plus haut. Voilà. Comme ça, quand je vais vouloir reposer, je prends l'alignement du bas et je sais que je suis bien. Le mieux, ça aurait été encore que je me mette vraiment dans un angle. Là, ça aurait été parfait. Voilà, et je vais le faire à l'encre, hein. Comme ça j'ai pas besoin de nettoyer mon brailleur, etc. Vu que je vais faire deux couleurs différentes. Bon, ce soir vous faites des directs nuls et pas bons parce que je ne peux pas venir. Bah écoute, Annelise, non. Non, ce soir en plus je crois que c'est sympa. Hein. Mais c'est pas ça là-bas. Ce soir. Mais après, il y a encore celui de 17h. Si, il y a ça, et à 17h, c'est ça. D'accord. Alors, hop, ici, j'ai débordé avec mon encre. Je viens nettoyer, surtout que je travaille sur du textile. C'est mou. Attendez, j'ai l'impression qu'ici, je n'aurais pas assez d'encre. Je pense qu'ici, vous voyez, ça n'a pas été poncé aussi fort que là. Là, ça a bien été poncé, donc mon encre, elle adhère bien partout. Les filles, elles n'ont pas fait ça bien. On peut rien demander. Hein. Oh, les vieilles, hein. Hop, j'ai oublié de mettre un coup de brailleur, mais mon brailleur est sale. J'aurais dû mettre un coup de brailleur pour être sûre que mes lettres tiennent bien. J'espère juste qu'elles ne vont pas tomber. Non, c'est bon. Et donc, je me replace. Oh, non. Mon masque. Ouf. Vite, c'est de l'encre. Hop, vous replacez votre masque surtout. Vous savez ce que vous faites pour la première fois? Vous marquez les étapes. 1, je fais ça. 2, je fais ça. 3, je mets mon masque. 4, j'applique mes lettres. Au moins, vous êtes sûr de ne pas oublier. Tourne un peu ton bas de ton J, là, non ? Là, je suis bien en... Par contre, j'ai oublié là la jonction. Mmh. C'est pas bien grave. S'il faut, je mettrai au pinceau un petit peu d'encre. Donc, d'où l'intérêt d'avoir quelque chose de rigide en dessous, hein, pour quand j'appuie, mon encre vienne bien
partout en contact. Hop. C'est ça, il faut vous faire des fiches mémo. Hein, les premières. Après, vous avez un automatisme au début. Et il ne me reste plus que le D. On arrête tous de respirer là. Vous savez qu'il y a des fois, nous, c'est pareil hein, ici à chaud. On arrête d'y aller, respire. Vous voyez, le D, hop, il va être là. Donc, il va cacher la queue du... Là, ça me perturbe. Donc, je vais prendre un petit pinceau. Pas trop marqué parce que c'est pas... Voilà, c'est juste... c'est pas grand-chose, mais je préfère... Et donc là, je viens marquer mon D. Pourquoi il est sur le vrai ? Hop. Ah, je vais prendre un repère quand même. J'espère que j'ai assez. Ah, j'ai pas assez. Il me faut la grande. Tu peux m'enlever la lettre, s'il te plaît ? Merci. Donc nous, on a coupé un bout parce que voilà. Mais vous pouvez faire ça, là, hein, comme vais, on a fait. Je vais me mettre dans l'angle. Aligné en bas, aligné à droite. Vous voyez, comme ça, là, je suis sûre que quand je vais reposer ma feuille, je m'aligne, mon dé sera bien placé. Après, là, c'est qu'une lettre, hein, donc c'est pas... Il n'y a pas trop de risque de se tromper. Je viens ancrer, comme tout à l'heure. Et après, de l'autre côté du sac, vous pourriez très bien, par exemple, faire un pochoir avec un nounours, tu vois. Mais j'avais sorti aussi ces tampons-là, tu vois, j'ai même pas eu. Ouais, mais bon, c'est Jade. Ouais, y avait, j'ai plein de... Et donc, je me repose bien en bas, bien à droite. Bon, moi, j'aime bien le faire comme ça quand même, mais bon, ça me donne une idée. Il faut bien que la queue du A rentre dans le D et la queue du D qu'elle rentre dans le E. Voilà. Comme là. Ah, j'ai pas de dur là. Attendez. Tire tout. Ben non, je peux pas. Pourquoi ? Parce que la plaque, mon morceau, mon voile, il est dedans. Attention de ne pas me faire bouger. Hein. Attendez, là, on va. En tout, en ici, tout, je suis du. Tout, ouais, mais tout en dessous. C'est juste que mon morceau de voile n'était pas assez haut. Attention, hein. attention, non. Voilà. Vas-y. Mais tu me faisais un pli. Allez, là. Non, je pense que ça ne marquera pas partout. Ça ira. Hop, voilà. Pensez bien à mettre du dur partout. Hein. Vous voyez ouais, comme là, quoi. Là, j'ai fait une décoche, c'est pas bien. Mais bon, ça ira certainement, je pense. Hop, ouais, voilà, on voit la. Ouais, on va... du moule, mais c'est pas grave. On va corriger au. Voilà, et vous voyez, ça fait une belle écriture liée parce que les lettres rentrent dans les autres. Alors, ici, on voit un peu trop la marque de la queue du dé dans le haut. C'est pas grave, on reprend le E si besoin et on refait un petit E. Hein. Pour le marquer un peu plus, histoire que la démarcation se voit moins. D'où l'intérêt que si vous prenez toujours votre repère en bas, la Charlotte, elle le fait à la wall again, oui. Mais au moins, vous avez toujours votre repère, vous savez où vous devez poser votre feuille de plastique. Hop, voilà. Impec. Et la petite correction éventuellement sur la barre du dé. Enfin, une barre, c'est une belle boucle, hein. Ouais, j'aime bien moi, les boucles comme ça, tu vois. J'aime bien cette écriture. On montre. Vous voyez, vous ne vous embêtez pas, vous prenez juste un petit peu dans le couvercle. Hein. Hop. Et pareil, sur le, c'est encore un peu marqué. J'arrive en cours de route et j'entends une histoire de queue. Bon, enfin, Justine, la queue du dé. Pas de dédé, hein. Vous voyez, le A, par exemple, si je ne le trouve pas assez marqué, ben, je viens retravailler. Hein. C'est beau. Voilà. Bon, je vous ai montré vraiment. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Monique, elle a rencontré Michel ou quoi ? Oui. Tiens, merci. Oh, t'en as plein tes mains. Ah ouais, comme moi hier. Ça, il faut mettre des gants quand on fait quand ça. Quand on les nettoie, quand vous nettoyez vos tampons, vous pensez à mettre des gants, effectivement. Parce que nous, on les fait au... À la lingette bébé. Et hop, après, on enlève tout ça. Donc, je viendrai chauffer. Et voilà, ça vous fait un beau petit sac. Ça peut être un pochon avec d'autres lettres, voilà, pour offrir. Enfin, on peut faire plein de choses. Ça peut servir d'emballage, comme je vous disais tout à l'heure.
Donc ça, on va le laisser sur le côté. Hop. Est-ce que vous voulez voir un monogramme en particulier pour que je vous le fasse maintenant ? Monique, elle dit oui, Monique a rencontré Michel, mais ce n'était pas oui, de Michel là que tu parlais. Hop. Et là aussi, mis tiens, dans le sac. Tu peux y remettre deux dans ce sac, t'en veux pas, Matt. Mets-toi sur la table, tu seras pas embêté. Dites-moi, est-ce que vous voulez un monogramme en particulier ? Ou sinon, on travaille un autre pochoir ou... Un autre tampon, non ? Un autre tampon, tu vois, sur la... je voulais mettre sur le tote bag, normalement, ça. Bah sinon, montrer. Fais-le, toi, en dessous de déco. Vous voyez, ce tampon-là, je le trouve sympa. Ça, c'est pour faire des couronnes. Voilà, ouais, on l'avait utilisé sur la plaque en bois qu'on a fait, l'effet bois. Tu peux mettre, les, par exemple, les, ça, les grains de raisin. Hein? Ça fait très alcoolique. Ça, comme ça, en dessous. Ouais. Tu veux que je fasse ça, ouais. Ça, ouais. Mais dites-moi quand même si vous voulez un monogramme, je vais le faire. Si vous voulez une lettre en particulier. Est-ce que l'encre part au lavage ? Alors, il faut la fixer avec, à la chaleur, donc avec un fer à repasser, avec une, pas une pâte mouille, hein, une pâte sèche. Tu veux vraiment que je mette les grappes de raisin ? Non, ben, mais autre chose. Mais les fleurs au-dessus, là, encore au-dessus, troisième. Celui-là ? Ouais. Mais après, voilà, vous pouvez, il y a énormément de tampons. Et vous, si, enfin, normalement, si... Vous voyez, avec celui-ci... Vous les avez à vie, ça, hein. J'ai les masques aussi, hein. Donc, ça peut servir aussi. Là, moi, je vous ai montré comment utiliser les masques avec ce tampon-là, mais il y a plein, plein de possibilités grâce aux masques. Alors après, ce n'est pas une éternam, effectivement. Il y a Mélane, non, il y a Anne-Lise qui dit... que l'acrylique s'atténue au lavage, bah oui, après, possible, après. Sinon, Jade. Vous utilisez de l'encre spéciale textile, hein. Ça existe. Oui. Donc, vous voyez, là, par exemple, j'ai bien mis ma ligne, là, en dessous du mot. Droit, hop, voilà. La ligne bleue. La ligne bleue, et comme ça, je vois où je veux mettre ça. Alors, après, je peux prendre une ligne en dessous, si je veux, par exemple, que mon remonte un peu plus. Ou après, on pourrait aussi les mettre sur le côté. Mais là, j'ai envie de le faire en dessous. On fait souvent sur les côtés. Donc, j'aligne bien une ligne, hop, à mon mot. Comment fait-on pour remettre proprement les tampons sur leur support d'origine ? Ça va tout seul. Je vais te montrer après, si tu veux. Ça va tout seul. Ouais. Les planches, elles sont dessinées. Donc, tu les remets au-dessus. Est-ce que sur leurs empreintes. Trop séché ici. J'aurais bien refait à la peinture quand même pour montrer. Un coup de brume. Ça a l'air d'aller. J'espère que, la peinture n'a pas trop séché là sur le côté. Bah, tu vas le voir, de toute façon. Je vais le voir tout de suite. T'as encore ta planche en dessous ? Ma planche en dessous, non. Je vais la remettre. Attendez, j'essaie de n'oublie pas, de la peinture, ça sèche vite. Hein. Oui. Ouais, je vois, elle ne marque pas fort ma peinture. Après, il existe un médium pour rendre l'acrylique indélébile au lavage. Ah bah voilà. Vous avez votre solution, du coup. Sandrine, tu mérites la fessée. Elle dit, moi, j'ai des tampons jamais utilisés encore. La fessée. Mais si, tu en as utilisé un, Sandrine, sur le côté... Sur ton meuble. Donc, j'avais pris le repère. Je sais plus cette ligne-là, je crois. Voilà. Ah, merci, Karine. Je vais... On parle souvent de pâte mouille, mais il existe aussi des pâtes, une pâte sèche. Donc, c'est un tissu sec entre le tissu tamponné et le fer. Parce qu'elle coud aussi, elle précise. Bon, là, j'aurais... Attendez, j'ai un autre. Ah, c'était un pochoir, elle dit. Ah, c'était un pochoir, je croyais que c'était le tampon. Oh, je crois que j'ai bougé. Je fais ça vite, c'est pas bien. Ah ouais, non, tu vois, je suis désolée, ma peinture a trop séché. J'aurais pas dû. Hop, on va non, je vais reprendre, pardon. On va remédier à ça. Je me replace. Hop. La ligne bleue au-dessus. Je sais plus comment. De toute façon, je replace. Là, je vais devoir le superposer, tu sais. Donc, Alors, il y a Lolo, JJQT, qui dit « Moi, ça fait un an que je les ai fait sur mes serviettes à l'encre. Elles ont perdu un peu de l'éclat, mais ça fait toujours son petit effet sur une belle table. » Ah, bah cool. Voilà. Bon, là, je risque de pas réussir à me remettre pile poil, hein, parce que j'ai pas trop de repères au niveau de, au niveau du motif. Là, c'est pas mal.
Il y a ta tête. Mais... J'ai l'impression que je suis bien. Hop, voilà. Et on avait déjà fait à la peinture hein, les tampons et ça s'était super bien passé. On l'a fait. On l'a pas fait là ? Bah si, là. Ah oui. Enfin, la peinture, là. Peut-être, ouais. Tu pourras tourner ta... Ah, il va être à l'envers ? Non, ouais, je pourrais pas faire tourner. Hop. On peut enlever le tiroir. Hein. Et voilà. Bon, je me suis un peu décalée. Hein. Forcément, là, c'était plus compliqué. Bon, bah ça, je pense que j'ai montré un peu ce que je voulais vous montrer. 15h11. Quoi ? 15h11. J'ai mis où le sac de... Jade, il est là. Ah. Attends, je vais juste mettre une feuille entre deux. Pour ne pas le salir. Bon, donc voilà, ça c'était le IB déco qu'on avait fait, le M. Hop. Celui-ci. J'ai fait des T et j'ai tamponné plusieurs lavages et juste un peu est-ce passé de couleur. Un tout petit pochon. Ouais, je sais pas où ils sont. Tu peux regarder, ma s'il te plaît. C'est ma dégueu. Hop, attendez, je reviens. Ouais, sur des thés d'oreiller. Hein ? Vas-y. Tu l'as ? Attendez, on est en train de préparer, hein, on est en train de chercher. Comme ça. Allez. Une autre taille de pochon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Je peux prendre. Je vais juste refermer ça. Nettoyer mon brailleur. Attends. Charlotte, elle est en train de me faire un défi là. Bon, allez, on va faire ça. Youhou, vous avez vu Nathalie. Bon, allez, on va vous... C'est une question improvisée parce que je ne sais pas du tout ce que je vais poser comme question. Charlotte, tu me prends un peu de cours. C'est une question bonus qui n'était pas prévue. Ils sont où les feuilles ? Là. Alors, j'en ai une qu'on va déplacer, c'est pas grave. Allez, on vous cherche une question, on va vous faire un petit cadeau. Ça, on va poser celle-là et on faudra en retrouver une. Hein. Bon, t'es prête ? Alors, le cadeau, ce sera que je vais vous faire ce pochon avec votre monogramme, si ça vous dit. Ou avec le monogramme de quelqu'un d'autre, la personne qui choisit me la lettre que choisira la lettre qu'elle veut. Je vais vous faire un petit pochon. Bon, vous êtes prêts ? Ça peut être la lettre de votre enfant, votre petit enfant, ce que vous voulez. Ça peut être un numéro ? Oui, si vous avez un... Ouais. Un chiffre. Pas un numéro, un chiffre. Un numéro, mais ça va être... faut que je vois si je peux mettre une belle décoration dessus. Voilà, mais il n'y a pas de raison. Vous êtes prêts pour la question ? Est-ce qu'ils sont prêts pour la question, là ? Apparemment, oui, super. Bon, allez. On se concentre. Il y a Martine qui a dit, j'en ai fait plusieurs et ça tient même sur un tablier de cuisine. Oui. Ben, nous, on avait fait sur... Moi, j'avais fait un... Léna avait fait un sac. À un anniversaire, j'avais donné un sac à toutes ses copines qui l'avaient personnalisé avec les peintures à Nislon. Et sur le sac de Léna, vu que c'était son anniversaire, ses copines avaient toutes fait une main à l'arrière de son sac avec écrit leur prénom et ça lui avait fait un joli souvenir. Voilà. Bon, ils sont au taquet. Allez. Quel âge avait Rimbaud ? C'est ça. Eh ben non. Dans le même genre. Combien de couples d'animaux Moïse a-t-il emporté sur son arche ? Allez, j'attends la réponse. Combien de couples d'animaux Moïse a-t-il emporté sur son arche ? J'ai pas de réponse pour l'instant. Un. Non. Non. J'ai pas la bonne réponse pour le moment. Non. Oui. Oui. Je veux savoir pourquoi. Hein. Hop, Sybille avait la bonne réponse juste derrière, mais la première, c'est Laure Pelletier. Avec zéro. Alors. Sybille avait dit zéro aussi derrière. Et il y a Evelyne qui avait dit, Evelyne Bolaton, aucun. Et pourquoi zéro ? Bien, Monique. Donc, Monique dit pourquoi zéro. Donc, zéro parce que c'est pas l'arche de Moïse, mais c'est l'arche de Noé. Voilà.
Oh mince, pardon, j'ai réépinglé des commentaires qu'il fait. Donc voilà. Bravo, je sais même plus qui c'était. Oh putain. Attends, je recherche. Juste avant, Laure. Laure Pelletier. C'était Laure Pelletier. Donc bravo Laure, je vais te faire donc un petit monogramme. Dis-nous ce que tu veux comme lettre sur le pochon et on va le faire en direct et il sera pour toi. Là, j'attends juste ta petite réponse. Bravo Laure. Hein. Alors il faut. Excellent, trop nul. Mort de rire. Ah ah ah. Bah, c'est cool si ça vous fait rire. Si ça vous amuse autant. On tombe dans le panneau à chaque fois. Mais vous allez commencer à nous connaître et réfléchir à deux fois avant de répondre. Quand on veut aller trop vite, bah ouais. Bah ouais, n'importe quoi. Très bonne question, Dominique nous dit. Bon, dis-moi alors donc ce que tu veux que je fasse sur le pochon. Quelle lettre tu veux que je fasse? On est tellement à fond qu'on ne réfléchit pas à la question. Ben, je le sais parce que c'est une question de rapidité, vous le savez. Et donc, on répond la première chose qui nous vient par la tête. Bon, j'attends juste ta petite réponse, Laure, pour pouvoir me mettre à le faire. L'arche de Moïse, même pas tiltée. Oui, mais on veut aller tellement vite. Ben oui, je sais. Moi, allez, Laure. Ben, attends, je n'ai pas vu son message. Si jamais vous voyez le message de Laure et que je ne l'ai pas vu, n'hésitez pas à me le redire. Ah, super, merci. Laure, pour ranger mes affaires et encore question merci. Pas en rapport avec le live, ben non. Hein, ah non, c'est pas du forcément tout. En rapport. Donc voilà. Voilà, Laure me demande de faire Laure. Donc je vais faire le L et je verrai pour écrire les lettres à côté. Allez, c'est parti. Ah, tu vas faire carrément Laure. T'es une gourmande, Laure. Hein. Alors, allez. On prépare ça. Donc, ce sera sur tu mets ça dedans ce petit pochon. Ouais, donne-moi la plaque, c'est bien. Je vais vous commencer. Puis, elle est faite pour. Parfait. On ferme en général. T'es droitière, là, ou gauchère? On ferme par la droite, je vais l'écrire là. En général, on ferme comme ça. Voilà. Allez. Donc, je vais faire du bon sens. Oui, le L, ça me vole, dit. Attends, je vais regarder comment je peux te faire ça bien. Hop. Allez, on écoute bien, on prend des notes, puis en 1, je retire le bouchon. En 2, on a un glaçon. Ah, l'aérobic. C'est l'aérobic. Et 1, je retire le bouchon. Et 2, je mets des petits glaçons. Et 3, je verse sur le citron. Attendez, je suis désolée, mais. Et 4, je reste le siphon. Ah ben, on m'a demandé comment on fait pour remettre le tampon sur le support. Donc là, il est encore un peu mouillé. Hop, je l'essuie. Voilà, tout simplement. Il y a bien un live à 17h ? Oui. Oui, un live à 17h. On va bientôt arrêter. Oui, je redécolle, je le pose à sa place. Et vous voyez, je vais essayer de vous montrer que ça adhère. Hein. Ça adhère, ça adhère. Vous voyez, donc il n'y a pas de souci, ça se repositionne bien. Tu appuies dessus, tu remets la plaque protectrice. Voilà, par-dessus, hop. Emballé, c'est pesé. Voilà. Merci. Merci Nathalie. Nathalie, elle est au top. Elle est au taquet. Voilà, je reprends donc ça, mon L. Je ne peux pas rester collé sur la plaque. Si. Merci. Donc. Oh, c'est un petit, ouais. Le L de l'or. Je vais prendre ça et. Il est gratté? Non. Alors, un, je prends ma lettre. Deux, je passe un coup de papier à poncer dessus. Elle l'a là-bas. Elle a. Alors, un, je choisis mes lettres. Deux, je ponce mes lettres si ça n'a pas déjà été fait. U. Ça va, heureusement qu'elle ne s'appelle pas Marie-Dominique. J'aurais fait un M. Le R et le E, on l'a déjà enlevé tout à l'heure. Donc, je l'ai déjà. Hop. C'est transparent. Je ne vois pas où elle me les a posés, Nath. De quoi? Bah, je ne sais pas. Tu viens de me poser une lettre, Nath, maintenant? Non, ah, tiens-moi. Ça. C'est qu'il faut le nettoyer. Le E, je l'ai là. Et on va donc choisir le décor. Donne-moi le L tout de suite, s'il te plaît.
Par contre, une fois que vous les avez poncés, vous les essuyez bien pour qu'ils adhèrent bien. Oui, et vous n'avez plus besoin de les poncer derrière. On fait la première fois. Peut-être mettre cette petite guirlande de rose. Ou le même que tout à l'heure, ça pourrait faire beau dans le L comme ça, parce que j'aurais quand même un bout de L là, un bout de L là et là. Ouais, on va... Est-ce que ça te va celle-là, là ? C'est ce qu'on a mis sur le dé de déco. Dis-moi si jamais elle répond. Hein. 4 par jour. Alors, je ne sais pas, il parle du nombre de lives aujourd'hui. Alors, c'est pas en continu, on fait une petite pause entre deux. Hein. Juste le L, sinon chat, ça va aussi. Hein. Bah, oui, sais, tout me va. Ça va me prendre franchement 2 minutes de plus de mettre les lettres. Ouais, à côté, c'est vrai, et c'est vrai. Il n'y a aucune lettre. C'est que des lettres. Double, voilà, c'est ça. Ça. Donc ça va aller vite, tu sais. Hop, donc on va le mettre comme ça. Je me mets juste droite, comme tout à l'heure, pour être sûre. J'aligne bien parallèle pardon, à ma lettre. Comme ça, je suis sûre que je vais poser ma déco bien droite comme il le faut. Il va te falloir le truc, le cache. Oui, c'est on l'a déjà utilisé tout à l'heure. Celui-là. Non, celui-là, c'est le plus grand. C'est celui de la taille en dessous. Bon, en général, c'est quand on le fait pour les autres qu'on merdouille. Qu'on merdouille, j'espère que je ne vais pas merdouiller. Mais ils sont sages, ils ne disent plus rien. Non. Ah, j'ai pas. Attends. Je vais quand même voir pour centrer, ce serait plutôt pas mal. Attends, Sandrine, je... Que j'ai assez de place pour mettre le reste. Alors, un, je prends mon temps en mes lettres. Deux, je les... Quand ils sont toutes neuves, quand elles sont neuves, je donne un petit coup de papier de verre. Trois, je les nettoie. Quatre, je présente mon motif sur ma lettre. Pour le monogramme. Je ne sais plus, Sandrine, excuse-moi, je suis fatiguée. De quoi, ben j'essaye d'énumérer les étapes. 4, je fais le monogramme. 5, je représente mes lettres en les superposant sur le monogramme pour les coller sur ma plaque quadrillée. Je n'oublie pas, bien sûr, d'aligner mes lettres, comme là, elle est en train de faire Charlotte. Attendez, je ne veux pas me faire avoir comme tout à l'heure. Graziella, tu viens d'arriver ou... Parce oui. Qu'elle dit on commence d'abord par le motif et la lettre. Aussi, moi j'ai mis la lettre et après le motif. Non, ben, tu ça. Peux, mais c'est pas pareil parce que tu vas quand même avoir de la lettre où il y a ton motif. Sauf que moi là, je vais mettre le cache. Donc, je me mets en bas de mon pochon. Comme ça, je suis sûre. Et si je recommence car j'ai tout raté. Non. Voilà. Je vais mettre un petit coup de cache. De brailleur. Là, il est où l'autre ? Pas le. Là, il y en a là. Non, ouais, mais ça, c'est pas celui-là. Ah, d'accord. L'autre, mon lieu des l'autre. Là, sous ta main, là. Non, là-bas. Le manche en bois, là, non ? Ah oui, bien vu, merci. Hop, je mets juste un petit coup de brailleur pour être sûr. Que... Est un... Il n'est pas en vente, celui-là, ne le demandez pas. Bah, je le trouve un petit peu cher par rapport au redesign, surtout déjà. Là. Je mets donc mon cache pour pas que ma lettre vienne cacher la belle déco qu'on a faite. J'encre mes lettres qui ont été préalablement poncées et donc nettoyées, vu qu'elles ont été poncées, on ne va pas laisser la poussière. Posées sur le cadre, enfin sur le quadrillé et roulées au... Sous les aisselles. Roulées avec le brailleur de façon à s'assurer qu'elles tiennent bien sur le support, qu'elles ne se décrochent pas au moment où on retourne. Et après, on a pris ses repères en bas ici du pochon et on pose sur le motif. Donc, toutes les lettres vont se marquer, sauf la partie du L sous laquelle il y a le cache des fleurs. Un manche en bois. Hop. Quand je roule, je tiens toujours. Hein.
Ne lâchez pas votre main pour rouler. Hein. Vous allez tout décaler. Non, l'a mis, Candiline, hein, le cache. Oui, oui, il a été posé. Par contre, une erreur que j'ai faite, et j'espère que ça ne va pas avoir d'incidence, c'est que je n'ai pas essuyé. Je vois là, j'ai dépassé avec mon encreur. Ah. J'espère juste que je n'ai pas appuyé là où il ne faut pas. Hop, bon, alors j'ai la pression. Voilà. Voilà. Après, donc, votre cache reste collé sur votre lettre. Et vous voyez, à l'endroit, je vais faire attention de ne pas le faire tomber. Enlève le pochon. Voilà. À l'endroit où j'ai mis le cache, vous voyez par transparence, j'ai le L qui aurait dû se marquer, mais il ne s'est pas marqué à l'endroit où on a fait la petite décoration. Au pire, tu as oublié de mettre le cache, ton L, il se marque sur les fleurs, mais c'est bête, tu caches le motif. J'espère que ça te plaît, Laure. Voilà. Bon, tu passeras un petit coup de repassage, de sèche-linge, de sèche-cheveux, de ce que tu veux pour chauffer. Et puis, il sera prêt à l'emploi. Trop heureuse encore, merci. Laure. Avec plaisir. Voilà. Bon. On a... Et tu veux qu'on le signe derrière pour te mettre un autographe. Donc, pour rappel, voilà, la principale idée, c'était de faire des petits monogrammes comme ça pour vos invités, par exemple. Donc, si vous faites de la création d'abat-jour, par exemple. Oui, aussi. Un beau monogramme sur votre textile avant de le poser sur votre abat-jour. Donc, on a fait ça. Là, je viens de faire le. Parce qu'après, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut appuyer tout ça. Oui, non, vaut mieux le faire avant. Le petit sac que j'ai fait également pour Jade. Le IB Déco. Le IB Déco qui est ici. Voilà, on a refait le M en deux couleurs. Là, je vous avais remontré comment faire le déco. Une petite. Voilà, il y a plein de possibilités avec les tampons. J'essaye de vous en montrer un max à chaque fois. On a déjà fait deux gros lives sur les tampons. Vous voyez, par exemple, on a celui-ci qui était... qui est magnifique. Il est magnifique, celui-là. Le rose toile qui était en rupture et qui est revenu, là. On l'avait fait... c'était ça ou son petit frère qu'on avait fait sur un coussin. Voilà. On avait fait aussi celui-ci lors des précédents lives. Attendez. Vous allez le voir à l'envers. Mais je vais vous basculer. Vous allez avoir la tête à l'envers. Hein, mais comme ça, vous allez le voir. Hop, le meuble est juste derrière moi. Voilà. Vous voyez, on l'avait appliqué ici. Le tampon. Voilà, donc c'était celui-ci. Enfin, il y a plein de possibilités avec les tampons. C'est utilisable à l'infini. Faites-vous plaisir. Pour tout tampon acheté jusque dimanche prochain, on vous offre justement un sac comme ça en coton que vous pourrez personnaliser comme vous le souhaitez. Là, j'ai mis un prénom. Un tampon, un sac de tampons de sac. C'est ça. Là, j'ai mis un prénom. Vous pourriez bien mettre des fleurs. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Voilà, éclatez-vous et surtout, montrez-nous si vous faites des choses. Allez, maman. T'as laissé ton chapeau. Hop. Hein ? Non, j'ai pas mon chapeau. Voilà. Bon, ben voilà, le live est terminé, en tout au moins celui-ci. Le prochain, 17h. Donc, 17h, vous verrez après le live, on va mettre l'étiquette du sujet. Les murs, ça fonctionne aussi. Oui. Bien évidemment, Patricia, vous pouvez aussi, par exemple, appliquer de la peinture de façon épaisse. J'avais déjà fait un live avec ça. Venir tamponner. On devait prendre les planches. Ouais. Venir appuyer avec votre tampon, ça va marquer votre peinture. Vous laissez sécher derrière. C'est-à-dire que vous vous servez des tampons pour faire des empreintes. Une empreinte. On l'a fait dans de la pâte autodurcissante aussi. Vous pouvez ancrer, c'est-à-dire déposer votre motif avec un médium, tel que de la peinture, de l'encre, etc. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour marquer. C'est ça. Dans l'épaisseur, de travailler sur de la peinture épaisse, travailler sur de la pâte autodurcissante et plein d'autres choses. Voilà. J'essaye à chaque fois de vous en montrer un peu plus avec les tampons, mais il y a vraiment, je peux pas tout vous montrer, c'est impossible. Il y a trop de possibilités de couleurs, de superpositions, de travailler avec les masques. Après, je dirais, n'hésitez pas à retourner soit sur Facebook, soit sur YouTube et chercher sur notre chaîne. Ou sur d'autres chaînes, hein, mais ou dans les chaînes de la marque. Le meuble que je vous ai montré derrière, on a fait la vidéo sur YouTube. Par contre, les deux autres que l'on avait fait, les deux gros lives que j'avais fait, ils sont que sur Facebook. Voilà, donc sur Facebook, vous avez plus de lives que sur plus de vidéos que sur YouTube.
mais vous cherchez avec le mot clé tampon et normalement vous devriez retrouver des vieilleries. C'est ça. Vous allez nous voir avec différentes coiffes, tout ça. Ah, une fois, ça m'a fait rire. Il y a quelqu'un qui avait mis « Ah, ça te va super bien, cette coupe !» Et en fait, la vidéo, c'était il y a 2 ans. Et le lendemain, on fait un live et cette personne était là. Elle a dû dire « Comment elle a fait pour changer ?» Elle n'avait pas compris qu'elle était sur un replay d'il y a très longtemps. Et du coup, ça m'avait fait rire. C'était comique. Bon, voilà. On se retrouve tout de suite pour dans un tirage minutes, au sort. Un tirage au sort sur les commentaires, comme d'habitude. Donc, s'il y a des nouveaux avec nous encore maintenant, n'hésitez pas à mettre un petit message parce qu'on fait des tirages au sort sur les commentaires. Donc, c'est l'informatique hein, qui fait le tirage au sort. Mais participent les gens qui ont mis un commentaire. Donc, on se retrouve dans 3 minutes. Attends, juste une seconde. Monique, effectivement, tu fais bien de le dire. Je ne pense jamais à le dire. Parfois, je vais me lever quand même quand je vous parle. Sur certains produits, alors pas toujours, hein, mais sur certains produits, je vous mets des liens. Donc, dans la description du produit sur la boutique, je vous mets des liens vers certains lives. Les tampons, je vous avoue que je ne sais plus si j'ai mis les liens après dessus. Et au pire, si ce n'est pas le cas, j'essaierai de les mettre la semaine prochaine. Donc, sur la catégorie tampons, donc dans le descriptif de vraiment la catégorie, si je vous mettrai pas, les liens. Tu vas pas y penser. Monique, elle va me faire penser. C'est elle qui a eu l'idée de me le faire rappeler, ça, donc je pense que... Elle te téléphonera, tu crois ? Bon, oui. Bon, Monique, elle suit, elle nous dit si on a fait des fautes sur... Si on a fait des bêtises. Voilà. Bon, donc, on disait, on se retrouve dans 3 minutes pour le tirage au sort, pour gagner encore un cadeau. Sinon, prochain live à 17h. Et en attendant, on vous fait des bisous. Et portez-vous bien. Ciao.